Alléluia. Que la gloire revienne à qui? Jésus-Christ. Alléluia. On va chanter, on va le célébrer, on va l'adorer. Oh,
Thank you.
J'aimerais que Dieu compte dans ta vie plus que ton argent, plus que les fêtes de fin d'année, plus que tout ce que tu peux considérer comme richesse. Parce que la richesse va passer, mais il y a une chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu as fait le choix d'accepter Dieu, il doit compter dans ta vie plus que toute autre chose. Est-ce que tu veux dire amen très fort? Il n'y a personne qui peut changer la vie comme Jésus. Il n'y a personne qui peut guérir comme Jésus. Les médecins peuvent découvrir la maladie. Les médecins peuvent soigner. Mais il y a une seule personne qui peut guérir. Et quelle que soit ta maladie ce soir, parce que tu entends ce nom qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, je crois que ce nom te guérit. Et qu'elle n'a pas dit amen. Tu n'es pas venu enfin adorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il s'est donné pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce nom. Partout tu entends Jésus. Tu entends Jésus à gauche. Tu entends Jésus à droite. Et tu te demandes pourquoi on parle tant de ce Jésus. Pourquoi on peut faire la publicité de quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais en réalité c'est parce qu'il existe même quand tu ne le vois pas. Yes. Et ce nom est au-dessus de tous les autres noms. C'est pourquoi même si le marabout a dit que tu allais échouer, lorsque ce nom commence à être prononcé dans ta vie, la parole du marabout n'a plus de pouvoir.